Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va, bienvenue pour un nouvel épisode sur Fallout New Vegas Ultimate Edition. Donc on va retourner voir Monsieur House. Allons-y. Allez, allons voir le Lucky 38. N'est pas ouvert au public. Les intrus seront fusillés. Merci de votre compréhension. Est-ce qu'on est sur la bonne quête? J'imagine que vous venez m'apporter le jeton de platine. Notre accord était clair. Maintenant que vous détenez le jeton, toute tentative de renégociation financière relève du chantage. Ce n'est pas le moment de jouer à poser des questions. Remettez-moi le jeton, voulez-vous? C'est une bien petite chose, n'est-ce pas? Et qui recèle pourtant tant de capacités. Je suis si attaché. Des gens ont fouillé pendant des décennies pour retrouver cette petite relique dans les ruines d'un endroit appelé Sunnyvale. Enfin, à l'époque. C'est là que le jeton a été battu le 22 octobre 2077. Il devait m'être remis en main propre le lendemain, ici, au Lucky 38. Mais les bombes l'ont précédé. La livraison n'a jamais eu lieu. Oui, jusqu'ici, le seul changement concerne le visage des Sécuritrons. De policiers, ils sont devenus soldats. Mais comme vous le verrez, une démonstration en dit souvent plus long qu'un discours. Prenez l'ascenseur, descendez et vous verrez de quoi je veux parler. Ne vous inquiétez pas, le spectacle vous plaira. Il nous reste beaucoup à accomplir, vous et moi. Ok. Approchez de la zone de démonstration, je vous prie. J'imagine que vous connaissez mes Sécuritrons maintenant. La coque en alliage de titane qui protège le cœur électronique résiste sans problème aux armes légères et aux éclats de grenades. Le Laser Gatling X25, produit sur commande par Westinghouse Inc., est létal pour les cibles sans protection à moyenne portée. Et pour le clouage à courte portée ou la lutte anti-émeute, le Sécuritron est armé d'un pistolet de mitrailleur de 9 mm. Vous saviez probablement déjà tout cela. Ce que vous ignoriez, c'est que tout cela ne constitue que l'armement secondaire des Sécuritrons. Tout ce temps, mes Sécuritrons ont dû fonctionner avec le système d'exploitation initial dépourvu des pilotes matériels de leur armement principal. Aujourd'hui, grâce au jeton de platine, tout change. Admirez pour la première fois des Sécuritrons dotés du système d'exploitation 2.0. Le lance-missile N-235 permet aux Sécuritrons de protéger les terrestres aériens à une portée notablement accrue. Et un lance-grenade G-28 à cadence de détection assure la stabilité du Sécuritron à courte portée. La mise à niveau logicielle comprend également des pilotes gérant le système d'autoréparation embarqué très sophistiqué. Globalement, le logiciel 2.0 offre une amélioration du potentiel de combat unitaire de 235%. La ville de New Vegas dispose enfin des soldats capables de la protéger. Revenez au dernier étage maintenant. Nous avons beaucoup de points à traiter. Les voyages au sous-sol sont rarement aussi éducatifs, n'est-ce pas? J'ai transmis la mise à niveau à tous les Sécuritrons situés à portée de réception, et cela a causé pas mal de remue-ménage sur le strip.
Ok. Les fondations sont en place. Les sécurités du strip ont été mis à niveau et ceux du fort sont prêts à agir. Il ne reste qu'à régler l'attitude de groupe mineur en attendant que la Légion attaque le barrage Hoover. Ok. Hors de New Vegas, sur ce qui était autrefois la base aérienne de Nellis, vit une tribu peu commune, connue sous le nom de Boomer. Ils sont, comment dire, agressivement isolés. Ils possèdent plusieurs obusiers dont ils se servent pour accueillir les visiteurs. Cette artillerie dispose d'une portée respectable. Si elle doit faire feu sur le barrage Hoover, je tiens à en choisir les cibles. Dans le cas contraire, veillez à ce que les Boomers ne signent aucun accord en vue d'appuyer la RNC ou la Légion. Faites preuve d'une grande prudence en approchant de la base. La puissance de feu de ces gens est considérable. Un de mes sécuritrons a aperçu près de la base un homme relevant la séquence de ses tirs d'artillerie. Peut-être a-t-il découvert quelque chose. Voilà, j'ai mis un petit peu plus de science pour les terminaux. Alors après, le SVAV est notablement accru. Ah, pas mal ça. Bon, alors. Amusez-vous bien à Vegas. Donc alors, quête. Neutraliser les Boomers. Donc, ouais, donc les deux premières, la maison a toujours raison, sont terminées. Ok, go, on y va. Allons voir ces Boomers. Excusez-moi, mais vous êtes le courrier qui a fait tout ce ramdam au Tops. C'est qui, Emily Hortal? Oh, super. Les disciples de l'Apocalypse, enfin certains d'entre eux, s'intéressent aux technologies de Monsieur House, en particulier sa survie. Naturellement, comme personne ne peut entrer au Lucky 38, on ne sait rien. Enfin, personne à part vous. Oui. Nous voulons simplement savoir quelle technologie Monsieur House a utilisée pour rester en vie toutes ces années. Cela profiterait aux gens que nous essayons d'aider. Une bonne part d'entre eux souffrent de maladies difficiles à diagnostiquer. C'est vrai ? Je ne m'attendais pas à ce que vous acceptiez si facilement. C'est super. Tenez, prenez ce mouchard.
Il nous permettra d'intercepter les données sur le réseau de Monsieur House. Il faudra peut-être ôter manuellement le chiffrement de son réseau de données, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Bonne chance. Allez. On va faire ça tout de suite. Un moussard, je suis un point d'accès. Voilà. Ça s'est fait, c'était assez rapide. Allez là-bas. Alors vous avez réussi à poser le mouchard sur le réseau de Monsieur House? On dirait qu'on a commencé à recevoir des signaux du réseau de la tour. Je suis sûre que les autres vont en extraire quelque chose d'utile. Oh mais qu'est-ce que... Le mouchard a été déconnecté, bon sang! Ce vieux singe a pensé à tout. Ah, bien dirait que ça n'a servi à rien, mais merci quand même pour votre aide. Les gens sont venus à vous accepter, d'accord, les disciples de l'Apocalypse, ok. Bon, nous on va s'occuper d'autres choses là. Allez, allons-y. Plus long. Il y avait un ennemi, mais il a disparu. Il y avait quelque chose de bizarre. Bon. Ah si, c'est ça. C'est les brahmines qui m'attaquent maintenant. Bizarre. On va aller à la base de Nélis.
Alors... Oh là ! Vous devriez ralentir, ou vous allez vous faire atomiser comme ces abrutis qui pensaient pouvoir faire de la récup en territoire boomer. Maintenant que j'ai votre attention, vous voudrez peut-être des informations. Il vous en coûtera un peu, mais c'est un bon investissement. Oula, calmez-vous. Je vais vous le dire, je suis un joueur et je fais de la récup. Je me suis fait pas mal d'argent en pariant et pas mal d'argent en récupérant des biens qui ne servent plus à personne. Bon, vous voulez mon aide ? Oh là là, c'est pas vrai. Vous avez jamais entendu parler des boomers ? Mais vous sortez de quelle caverne ? C'est une tribu de siphonnés du ciboulot à Nélis, fou d'artillerie et d'explosifs. Aventurez-vous chez eux et ils feront de vous du hachis. Il existe un moyen, et je peux vous le dire, si vous acceptez mon petit pari. Eh bien, je sais comment passer. Si vous me donnez les capsules, je vous expliquerai. Si vous revenez en vie, je double votre argent. Bon, voilà. Je vais vous regarder, donc je saurai si vous avez survécu jusqu'au portail. N'oubliez pas, il y a 600 capsules pour vous si vous y arrivez. Je vais sauvegarder. Alors, arrêt discours. Alors, c'est où données. Détails, minutage. Alors, la solution pour éviter les tirs d'artillerie consiste à se déplacer de bâtiment en bâtiment sur le côté nord-ouest de la ville, en direction de la porte principale. Restez sous le couvert ou dans le coin nord-ouest des deux bâtiments, puis aller à droit vers la porte. Direction de la porte nord. Longez la clôture jusqu'à ce que vous ayez rejoint la porte. Je sais aussi qu'un vieux tunnel ferroviaire se rejoint la zone par le sud. Mais personne n'est jamais revenu de là. Pour indiquer si ce passage était sûr. Allez, on y va. Ah, je peux longer le grillage. Là, ils vont pas tirer dessus. Là, c'est bon. On est bon. Hey, on reste sur place. Pas question de bouger. Mais comment vous avez fait pour survivre à ce tir d'artillerie ? J'ai pas franchi ce barrage pour répondre à des questions là. Vous êtes un être humain ou une sorte de mutant ? Si vous bougez d'un pouce, je vous mets en pièce. Alors restez où vous êtes. Raquel va pas tarder à arriver. Raquel ? Je vais prendre le relais. Je suis Raquel, capitaine d'armement de Nélis. Mère Pearl, notre ancienne, souhaite vous rencontrer. Comme je l'ai dit, elle est notre aînée. Mère Pearl vit à Nélis depuis le début de la communauté, et elle a la sagesse de son âge. Elle a dit que ce jour viendrait, et qu'il fallait lui conduire tout sauvage capable de venir jusqu'à nous. Ah, d'accord. Restez près de moi,
Et pas de bêtises, compris? Bienvenue, mon enfant. Vous avez pris votre temps pour venir nous voir, pas vrai? Cela faisait bien 5 ans que j'attendais que quelqu'un de l'extérieur vienne nous rendre visite. Une prophétie? Vous nous prenez pour une bande de cinglés de la religion? J'espérais simplement qu'un sauvage... Pardon, que quelqu'un de l'extérieur arriverait jusqu'à nos portes avant qu'une de ses armées ne les défonce. En réalité, mon enfant, la vieille Pearl sent qu'une tempête approche. Les temps changent. Il est peut-être aussi temps pour nous d'évoluer un peu. Oh, d'innombrables manières. Nous allons commencer petit, afin de nous habituer à avoir un sauve... quelqu'un de l'extérieur parmi nous. Sauvage. Si tout se passe bien, nous vous confierons des tâches plus conséquentes. Il faudra voir. Gardez à l'esprit le fait que vous représentez notre premier contact avec l'extérieur depuis mon adolescence. L'isolement nous a protégés, mais le monde change autour de nous. Des néons au loin, des robots en patrouille, des soldats. Mes jeunes pensent que nos canons peuvent tenir le monde à l'écart, mais il défoncera la porte si on ne le laisse pas entrer en douceur. Vous êtes ce petit bout du monde extérieur, mon enfant. Bienvenue à Nélis. Ok. Vous avez choisi le bon moment pour passer nous voir, car nous nageons dans les problèmes. Mes jeunes pourront vous en parler. Raquel aurait besoin d'aide pour cette histoire d'insectes. Doc Argyll a des blessés, et Loyal et Jack cherchent un coup de main pour des réparations. Vous pourriez aussi aller voir Pete au musée et découvrir l'histoire de notre peuple. Ce que vous devrez faire avant tout, c'est écouter. Allez et venez, aidez-nous ou pas, comme vous voudrez. Mais j'espère que vous prouverez aux jeunes que tous les étrangers ne méritent pas de se faire exploser. Hello. Hello. Ok. D'accord, revenir voir Benny Bowie et lui dire que les Boomers peuvent être ignorés. Ok. Ah ouais, j'ai encore tout ça à faire aussi. Les instructions de Mère Pearl sont claires. Vous pouvez vous déplacer librement à Nélis et les observateurs ont l'ordre de ne pas tirer sur vous. Ce sont des privilèges exceptionnels. N'en abusez pas. Pour faire court, on n'a plus de courant depuis quelques jours parce que des fourmis géantes ont installé un nid dans la salle des générateurs. J'ai emmené une équipe pour les tuer, mais il y en avait trop. On a eu 2 tués et 3 blessés. Personnellement, je pense qu'il y en a trop pour un sauvage, mais si vous voulez aller tuer ces fourmis et rétablir le courant, allez-y. Oui, comme tout le monde. Mais il y en a un sacré nombre là-bas. Allez voir, vous comprendrez. Encore une chose, les fourmis bouffent sûrement la poudre des munitions qui sont là-bas ou d'autres trucs du genre. Quand on les passe au lance-flammes, elles explosent. Pareil avec un pistolet laser. Les balles, ça va, mais ne touchez pas les obus. Loyal a étudié une sorte d'arme utilisable contre elles. Vous devriez aller le voir. Mmh.
Bonjour. C'est quoi ça? Salut. Salut. Je regrette, je n'ai pas le temps de discuter. Je sais que Mère Pearl vous laisse vous promener à Nélis, mais j'ai des patients à soigner. Les médicaments sont rares. Vous devriez peut-être vous faire soigner ailleurs qu'à Nélis. Désolé, mais la monnaie des terres dévastées n'a pas cours ici. On produit la quasi-totalité de ce dont on a besoin. J'ai 3 patients qui ont été gravement blessés par les fourmis géantes du bâtiment des générateurs l'autre jour. J'ai stabilisé leurs blessures, mais ils sont dans un sale état. Vous avez une formation médicale? Eh bien, j'en sais rien en fait. Je suppose que c'est peut-être le cas. Vous devriez y jeter un œil. On me tire dessus. Contact. Retour à la base. Hello. Là, ici, une porte de hangar. Et ici, Loyal. Salut. Soir. Un petit creux. Je veux bien le croire, mais Pearl ne m'a pas donné l'autorisation de vendre aux gens de l'extérieur. Au revoir. Salut. Bonsoir.
Salut. Salut. Allô. Soir. J'ai pas le temps de discuter. Allons-y, alors c'est quoi ici? Waouh! Et c'est le lance-flamme. Ah d'accord, elles explosent, d'accord. D'accord. Là-bas. Ah, des G40. Personne ici.
Bon, comment on descend? Là-bas, un escalier. Petite sauvegarde. C'est ici. Bon. On va continuer par là. Allez, on a oublié d'en tuer encore. On n'a pas terminé. Par contre, le lance-flamme, il commence à être abîmé. Ah, il y a des caisses ici. Ah, il y a des missiles ici. Une mini nuque.
vais essayer le plasma rifle. Petite sauvegarde. Ah, il y en a une là-bas. Ah, j'ai morflé là. Ah non, il y en a encore, hein. Ah, encore une là. Là-dessus. Oh, mais ils explosent à chaque fois, c'est pas vrai.
Ah, mais c'est bon, quoi. Elles explosent. Je suis pas loin. Je suis loin, quoi. C'est bon ou quoi là? Ah non, il y en a encore. Hein. Thank you.
Alors, allez. Il y en a une là-bas. Alors... On a tout fait ici ou quoi? Oh oh! Vite, vite, vite! Saleté. Elles sont là. Boum. Ah oh putain, il y en a encore une là. Saleté, putain, ouais. Saleté. On va la voir, on va la voir. Oh putain. Oh. C'est bon ? Elles sont toutes mortes. Ça m'a l'air bon. On va faire une sauvegarde. Allez. On va aller voir à l'étage. Peut-être qu'il y en a encore. Parce que c'est pas encore terminé. Il y en a encore une là. Ah merde, j'ai plus de munitions. Vite.
comme elles explosent le plus loin possible. Hein. Et après. Oh putain! Elle m'a encore surpris celle-là, cette saleté. Où est-ce qu'on va y arriver? Encore une. J'en ai vu une quelque part, il y a un point rouge là, mais je vois pas où. Encore au moins deux. Ouais, là-bas.
Oh, il en reste encore une. On va jamais s'en sortir. Putain, j'en ai marre. J'espère que c'est la dernière. Ah, ça y est, enfin. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut activer le bordel là? Parce que j'ai déjà activé les deux générateurs en bas. Donc il n'y a plus que ça à faire normalement. Initialiser la source de courant principale. Elle est où cette source de... Elle est où? Elle est en bas.
Il est où ce truc là? Ah, c'est ça ici. Oh la vache. Oh, au pif complètement là. Bon voilà, au moins on va pouvoir aller terminer cette quête et puis on va se quitter là-dessus. Elle est là, je crois. Je vois que le courant est revenu. Les fourmis sont toutes mortes? Ouais, avec du mal. Peut-être que Pearl a raison à votre sujet. Parce que je vois pas comment vous avez pu réussir ce coup-là. Je vais dire à Loyal d'envoyer quelqu'un s'occuper des œufs et réparer les générateurs. Beau travail. Ok. Ouh. Tranquille. Du coup, on a un niveau de plus. On va monter à 75 en sciences et puis en médecine, on va monter aussi. Bon bah voilà, donc on va cesser là-dessus les amis, j'espère que ça vous a plu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas la petite cloche pour le référencement de la chaîne et pour rater de mes vidéos, et on se donne rendez-vous donc Salut. La fois prochaine pour continuer les quêtes ici des Movers, et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, prenez soin de vos proches, allez, ciao.